Je veux juste vous poser des questions, mais les réponses, je souhaite qu'elles soient assez précises. Vous êtes expliqué de long à large, quasiment pendant 4 heures, vous étiez en train de parler. Tout ce que vous avez dit, ça a été noté. Iwa awa mama hori tungo fe kono ma hori kaya bi beti amunsera ibara woyembe han ler nani ibara wogan tanna bo han anu ma hori nan ta wa menen nan kaya bi. Vous confirmez qu'avant la journée fatidique du 28 septembre, vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo, vous le confirmez? Nana neki benu 28 septembre inuna camp Alpha Yaya Diallo. Oui. Oui. Vous confirmez également qu'on vous y avait logé? Inara eme etanama e logé na. Oui. Oui. Donc vous passiez toutes vos journées et toutes vos nuits dans l'enceinte du camp, n'est-ce pas? Nana neki yanyi nunkwe inara dangi makannangwe. Oui. Le 28 septembre donc, et quand, à quel moment vous avez appris qu'il y a eu les massacres au stade du 28 septembre? 28 septembre, MLR Mundu massacre Barraba, son peu Barraba 28 septembre, stade. Na 28 septembre, le roi. Ita colonel Mundu son peu Barraba, terema. Na kolona salele rine na moment de na matin parce que kolone bon c'est le matin parce que j'ai descendu mulu magicien indien avec le magicien indien l'air mundu monsieur Touré, à quel moment l'air mundu monsieur Fourcule entre na c'est le matin entre 10h 11h midi entre 10h 11h midi comme ça en tout cas je ne peux pas d'accord vous l'avez appris de qui ah Mendera e kolon di. Vous l'avez appris de qui? Eh, Mendira. Massacre. Effet, il fallait venir. Ils ont parlé ça devant moi. Que, non, excusez-moi, monsieur Touré. J'ai commencé par ça. J'ai dit, je souhaite que notre échange, puisque vous avez beaucoup parlé. Donc, acceptez, quand je vous pose une question, vous répondez justement, ne donnez aucun commentaire. D'accord? D'accord, monsieur le président. Voilà. Vous l'avez appris de qui? Eh, Mendira. Ah, son tu es barati, Mendera. Non, mais t'as un groupe là-bas. J'ai entendu de leur groupe là. De qui, au camp. Qui de. Et qui et qui. Nde nde nde. Non, quoi là? La nuit là. Non, mais grand co. Grand co, puis. Monsieur Touré, vous m'avez dit que vous l'avez appris entre 9h, 10h, 11h. Je ne suis pas arrivé à cette heure là. La nuit, non. Restons dans le local de la matinée. Bon, je savais qu'ils sont pas, ils passaient pour aller tuer parce qu'ils ont bougé devant moi. Mais le massacre s'est pas passé devant moi. C'est la nuit maintenant. C'est en ce moment que j'ai. Vous étiez dans l'enceinte du camp. Il n'a qu'un qui. J'ai tout logé là-bas, on m'a donné. Qui vous a dit que. Il y a eu des massacres au stade du 28 septembre. Nda fallait be son tuebar là-bas 28 septembre. Monsieur Bourgoule, Nakoulou. Je savais. Parce que fait la ngawari. Parce qu'ils ont parlé ça. Ils ont bougé devant moi pour aller aussi. Voilà, Nakoulou. Je savais. Donc comment tu fais là? Quand je suis venu la nuit aussi. Allez à Tiamounou moi j'ai dit ba sende. J'avais parlé avec vous. Vous avez répondu à ma question. Voilà. Je passe à une autre. Alors puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, il a été acquis au débat ici que, après la perpétration de ces massacres, certains citoyens se sont retrouvés contre leur gré au camp Alpha Yaya Diallo où ils étaient séquestrés. Puisque vous étiez là-bas, matin et soir, est-ce que vous aviez. Vous aviez entendu les cris de détresse de ces citoyens-là. Vous aviez entendu les cris de détresse de ces femmes-là. Parce que vous étiez là quand même, vous avez dit. Bah, étant nous kan nankui, na 28 septembre dans Gambi, et mirinde sourne, et c'est la gata kankui, et ni diayomara, est-ce que la mirinde wahou imenena? Monsieur Bourgoin, non, non, falla rabia. Monsieur le préquier, c'est ce que j'ai dit là. Non, détourne.
Est-ce que vous avez entendu les cris de détresse des femmes et des citoyens de manière générale qui étaient retenus là-bas? Non. Non. Vous n'avez pas entendu? Non. Pas entendu. Bien. Là où on vous avait logé et le service de M. Moussa Thiebro Camara, il y avait une grande distance? Et logé de Nagandi. À nous, Tchegora Bureau, à Tchegora Walidé. Et Tagi Kouya? Oui. De votre logement au service de M. Moussa Thiebro. Donc quand il y avait cri, vous ne pouviez pas entendre? Il logé de Nagandi. À nous, Moussa Thiebro Roy. Quand on va te voir, il m'a dit. Ah, m'a dit. Non, je ne peux pas entendre. Puisque vous étiez en liberté, et certains citoyens se rendaient au camp Alpha Yaya Diallo à la recherche des leurs qui avaient disparu de l'enceinte du camp. Est-ce que vous aviez rencontré ces citoyens-là qui vous ont interpellé pour savoir si vous, à tout hasard, vous n'avez pas connaissance de là où leurs parents étaient gardés? Ben nous n'avons rien de nous qui a mis à fini. On a dit qu'il y a eu un arabe dans le noir. Il m'a dit Ah, ma mère n'a pas fait de ma colon. Non, monsieur le procureur. Non, monsieur. Vous avez rencontré oui ou non? Un arabe dans le noir. Oui, on a dit que tu m'as dit. Je trouvais d'autres dans le bureau de Tchegro. Et je me dis que Tchegro gardait certaines de ces personnes. Je me dis que Tchegro On a quitté ce Tchegro Blaise Gomou. Quand je descendais, j'ai trouvé certaines personnes là-bas. Donc, au service de M. Thiebro, il y a des gens qui étaient retenus là-bas contre leur volonté, c'est ça? Qui avaient été interpellés dans l'enceinte du stade ou aux alentours? Ah ouais? Ah oui? Oui, j'entendais. Non, même pas. Mais il le disait ici. Au courant de la nuit du 28 septembre, après tous ces massacres-là, quelles sont les autorités militaires que vous avez vues venir au siège de la présidence d'alors? Parce que c'était au camp là-bas que M. Moussa Dadis Camara avait ses bureaux. Quelles sont les autorités militaires que vous aviez vues là-bas? Le 28 septembre, sonté dans le rambi na kwera et manga mundun to sor manga mundu to na refa mangatara parce que mangatara nous nanane président de discoin indira korosina refa na non now kwera la nuit là Umar Sano, j'ai vu Umar Sano Kaba chef d'état major né tantune ceux là je les ai vus et bien toi après non mais tant ni makambu fa flamene. Je suis sorti dehors, Makambo a dit là-bas que Marseille s'est comporté mal entre lui et Général Bafoué. Il dit, je les ai dit de ne pas faire. Après, moi, je suis parti. Est-ce que vous avez remarqué la présence de cadres civils aussi? Ah, et civil indé, Fantonena. Amangaki, ma civil indé. Ah, non, t'en as remarqué. Ce que moi, j'ai remarqué. Tibou, avec Dadisi. Tibou avec Dadis, il y a des. C'est seul M. Tibou Camara que vous avez vu? Tibou Nanto. Que vous avez formellement reconnu? Oui, je connais Tibou longtemps. D'accord, c'est bon. Ensuite, puisque vous étiez là-bas, et on a parlé des bus qui étaient stationnés là-bas, des bus qu'un joueur, un footballeur guinéen, avait offert au CNDD. On dit que c'est dans ces bus-là qu'on a transporté les recrues de Kalea du camp Alpha Yaya Diallo pour le stade du 28 septembre. Quand ces bus-là, je me rappelle le nom du joueur, c'est Akabe. Quand ces bus-là bougeaient, vous étiez là? Anaka, ben nous nanane, joueur ndé nana, nakan biso fi CNDD ma. Inaka e kalia mire, makwani nanankui. Marratu, atan joueur kelira akabi.
Anabi s'est bougé, ma reine, nana. Non, 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 non. Non, 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 non. On parle à rumeur, mais non. Mais j'apporte les rumeurs. D'accord. Voilà. Les recrues dont on parle. Non, non, non. Les recrues dont on parle. On disait qu'elles étaient entretenues par M. Gono Sangaré, financièrement et, donc. Mais qu'elles étaient entraînées par Claude Pivi. Parce que vous étiez là. Est-ce que vous les voyez au moment de leur entraînement? Avez-vous appris que dans l'enceinte du camp, on avait distribué des machettes à ces jeunes recrues-là? Vous aviez appris où nous avons. Ah, ouais, c'est Kegoro. Oui, c'est Kegoro. Oui. Il va avoir Kegoro la mission Nanek. C'était la mission de Kegoro. Ceux qui donnaient des coups de poignard. Ça, c'est l'élément de Kegoro. C'est des éléments de Kegoro. Voilà. Alors, les corps. Les corps. Ici, on nous a fait état de plusieurs camions qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Samori Touré, non loin de la résidence de feu général Lansana Conté. Des camions militaires qui étaient remplis de corps. Est-ce que vous, dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo, vous aviez appris que une quelconque autorité était venue donner l'information à M. Moussa Dadis Camara comme quoi il y a eu plusieurs citoyens massacrés dont les corps étaient dans des camions stationnés au camp Samori Touré. Est-ce que vous aviez appris ça? Baïtanouna, quand Alpha Yane, ou Frende Farne, quand Samori, ou tout, camion et qui, et n'a pas dit, il est président de l'Ansana Conte, à la Raya Femme, n'a pas l'ingir à 7 mamani. Et tant que nous avons est-ce que Mirin de Sigarne, Anara Dadi sera colon, n'a qu'à faire? Non, mon attaque, mon nouvelle. Je ne connais pas ces nouvelles-là. Vous confirmez quand même que, selon votre récit, que M. Abdoulaye Chérif Diaby et Edouard Théa étaient ceux-là qui étaient au fait de l'existence de ces corps, n'est-ce pas? Non, 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 il n'y a pas de temps. Abdoulaye Chérif Diaby, Théa, vous refaites une année, une année, une année, une année. Ouais, ouais, il a donné l'ordre devant moi. Et puisqu'il y a, lors de la cérémonie de restitution des corps, on a fait état de 57 corps seulement. Et vous, dans votre récit, vous avez dit qu'il y en a beaucoup plus. Et c'est conforté par les déclarations du général Oumar Sano et bien d'autres témoins qui se sont succédés ici avant vous. Est-ce que nous pouvons conclure que M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Abdoulaye Chérif Diaby connaît bien la destination du reste des corps. Anara, ba, itangundi bara fala kure febi, kure soma mire ida kure tongo suli anun solo fere nansui. Itangundi bara fala be afure nukbona be mirikbeti fambara fa. Il n'y a pas de temps à faire des choses. Il n'y a pas de temps à faire des choses. Il n'y a pas de temps à faire des choses. Il n'y a pas de temps à faire des choses. Il n'y a pas de temps à faire des choses. Effectivement, parce que oui, connaît. Très bien. Effectivement. Ensuite, parlant toujours de ces corps-là, on dit que. Certains corps avaient été ensevelis dans des fosses communes, que ce serait le fait de certaines autorités militaires, mais les exécutants aussi étaient des militaires. Et à l'aide des phares, des véhicules militaires, on aurait creusé des fosses communes où on aurait enseveli ces jeunes Guinéens-là. Vous avez appris ça dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Anara, abaramé. Furende nana, umasori, umagalide. Aïe, na na itanana furé kani. Ete ti, ega utu teira,
et il y gué et la fourré bille. Est-ce que Fambara n'a fourré rafémé? Non. Non. Bien. Pour finir, vous avez dit, vous confirmez que la préparation des massacres aurait été orchestrée par M. Moussa Dadis Camara, M. Moussa Djebro Camara, M. Claude Bivi, M. Gono Sangaré, M. Théodore et M. Blaise Gomou. Vous le confirmez? Inara, du massacre fait à Birinja Langri, président Dadis, Gono Sangaré, Blaise Gomou, et n'a rien à faire, il n'a rien à faire, il n'a rien à faire, il n'a Oui. Très bien. Est-ce que vous aviez appris que M. Aboubakar Diakité Toumba a pris le départ du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre au stade du 28 septembre? Vous l'aviez appris ce même 28 septembre-là? En 28 septembre, Aboubakar Diakité Toumba a quitté le camp Alpha Yaya à Fafé 28 septembre. Ouais, non, mais puis finalement. Vous l'aviez appris? Vous l'aviez appris? Le téléphone est le parler. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous a dit le concernant? Quels ont été les actes qu'il aurait posés dans l'enceinte du camp? Et on sait pas là. Dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Je m'excuse. À ta monsieur la barre stade à Tofa. Non, et nous amène. Est-ce que vous avez appris que Monsieur Aboubakar Diakité, alias Toumba, a tiré sur les manifestants dans l'enceinte du stade? Ou bien vous avez appris qu'il a donné des coups à certains d'entre eux? Qu'est-ce que vous avez appris le concernant? Vous n'avez pas appris qu'il avait-il pris le départ devant vous? À quel camp qu'il y a? Non. Non. Est-ce que vous avez appris qu'il était armé quand il se rendait au stade? Eh, mais à ton minima, à Fingari, à ton femme au stade. Non. Non.